You want a battle? You must be crazy. All your clown niggas put your hands in the air. Is it you over there? Is it you over there? Is it you? Is it you? Is it you right there? Man, this ain't that shit that you used to bounce to. It's that thing that they smoke an ounce to. I'm gon' do it even without you. I pop all them clown niggas around you. Just for my players that swingin' the phone pole. While I'm out bustin' that pole pole. Coming over here, you got the gold gold. Y'all think I got beats and souls. So shit's falling off. Nigga, that's oh no. Y'all make me let the dog go. Listen, y'all, I stick in the streets like Chris. Y'all niggas no switch beats. We want y'all to move right now. Thank you.
a très bien joué. Bah voilà, oui, qu'on a super bien joué, voilà. Et vous vous amusez bien? Oui, voilà ça, oui. Et est-ce que vous avez une anecdote à raconter, quelque chose de drôle? La gamelle de Sacha. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un petit peu. En fait, Sacha, il courait, et puis bam, il a glissé, il a fait tac. Il est tombé sur le banc. Et que pensez-vous de votre prestation personnelle, donc la manière dont vous avez joué? Moi, un peu trop raté en dessous de la nôme. Moi aussi, voilà. Bah, c'était amusant. Et surtout le trajet. Qu'est-ce qui s'est passé lors du trajet? Bah, on s'amusait bien, le Romain. Et vous faisiez quoi? On mangeait des chips, on papotait et je voulais chaque fois qu'on s'arrête pour. Pourquoi? Pour un peu marcher parce qu'on a un peu mal au dos. Pour vous? C'était trop ratal. Ça veut dire quoi ça? Et c'est quoi que vous avez préféré? J'ai peur. Et qu'est-ce que vous avez pensé de vos matchs? Donc en fait vous ne parlez jamais vous deux. Vous faites des interviews et vous ne dites rien. Bah qu'on a bien joué. Je sais pas pourquoi il avait une manne à quoi qu'il pleurait après les matchs. Et tu ne sais pas pourquoi? Sacha, à ton avis, pourquoi il m'aime pleurer chaque fois après les matchs? Toi tu sais? Oui. Parce à cause de l'arbitre. Ah oui, quoi, l'arbitre était injuste? Oui. Ouais, je m'amuse bien. C'est tout? Ouais. Et dis-toi l'eau. Moi, je m'amuse très bien. Oui, est-ce que l'équipe a bien joué, selon vous? Oui. Oui, et qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Pouvez-vous un petit peu m'expliquer les matchs qu'on a disputés ici? On a raté beaucoup de paniers. Moi, juste au dernier match, j'ai marqué beaucoup de paniers. Sinon, je jouais plus en défense. Et toi, Axe? Bon. Beau. 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 Beau, beau, beau. J'ai suivi un petit peu de loin, mais bon, en voyant les coachs et les collaborateurs, ça peut que bien se passer. Merci, Carmel. Mais il y en a qui roulent n'importe comment et qui ne payent pas, après ça, ils connaissent. Ça paralyse une caméra. D'ailleurs, je pense que c'est Sarkozy qui a revendu les sociétés d'autoroute. Ça coûte 12 euros pour faire le tour de Strasbourg. Alors, l'équipe de Saint-Ouen-le-Burge, les premières impressions que vous avez sur cette... Écoutez, c'était vraiment formidable. On a passé le cap, mais bon, je pense qu'on on tient le bon bout. Oui, c'était très quoi, bien. Dur? Hein? Très dur. À quel niveau? Mais un niveau très haut. Ok. Cette année, ce mec-là, il est au gouvernement de la France. Donc je pourrais faire chanter. Film. C'est vrai que les Belges en général, ils sont meilleurs sur les tournois. Satisfait de votre tournoi? Avec les Belges, toujours. Toujours. Mais... formidable. C'est tous des gosses. Je crois que si on ne l'avait pas, on le ferait. Ah ouais. Avec le fromage à meux, le master, le fromage à meux plus fort. Ça, le petit Jésus aux culottes de velours. Ça, tu peux le dire. Alors les clés. Les clés, c'est ça. Oh, un message, je crois que c'est le papa de Romain qui m'appelle pour me dire qu'il a mis les clés chez le troisième viticulteur de la région, c'est-à-dire monsieur Epstein. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces clés? On ne comprend plus très bien. Moi non plus, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ma clé, moi. Après, vous démerdez. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc PJ, tu disais? De quoi? Je disais quoi, moi? Tu organises quelque chose? Bah, on va essayer d'inviter nos amis de Witzenheim chez nous. Et on fera ça bien.